pays n'a pas qu'à vivre sans sa diversité. Pays n'a pas qu'à vivre sans ses contradictions historiques, ses contradictions sociales. Dans le temps, toutes les contradictions, il faut que nous joignions en tête. C'est ça, nous allons vivre ensemble. Pour tout le monde à l'école, pour tout le monde manger, pour tout le monde avoir priorité, pour tout le monde justice, pour tout le monde une sécurité. Pour yo suspendre tout le monde sous Bel Air, pour yo suspendre tout le monde Matissant, pour yo suspendre tout le monde Cité Soleil, pour yo suspendre tout le président. Depuis 1806, n'a tout le monde. Il est pour nous suspendre. Quel était Diego Charles, quel était Bâtonnier, quel était Jovenel Moïse, petit pays, pas qu'on doit mourir par violence et nous pas qu'on doit accepter ça. Il faut que nous condamnions. C'est ça le sens de mon engagement, de mon message. Il faut que tout le monde qui mourit, mort violence, mort assassinat, joue une justice sans discrimination. Merci beaucoup. Et Chagot, Je ne sais pas. Mais il est clair que tu as un antagoniste. Il est clair que le président a mené un combat, il a gagné des positions. Il est clair que nous sommes un peuple intolérant. Il est clair que tu as assassiné le caractère. Toute la journée, il est responsable. Tout mal au pays. Jovenel Moïse a dirigé le pays de 2017 à aujourd'hui. Moi, depuis que je connais le pays, je connais son pays pauvre. Je dis à le président, comment après ce pays a suspendu pauvre. Je pense que nous ne pouvons pas parler comme ça. Il faut nous faire la part des choses. Je ne peux pas dire, monsieur Moïse, c'est ton saint. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de défaut. Qui est-ce dans nous qui n'a pas de défaut? Qui est-ce dans nous qui sont saints? Alors, parce qu'on a une faiblesse, parce qu'on a une faiblesse, pour ça, je n'accepte pas ça. Mais comment est-ce que le nouveau gouvernement a fini la crise? Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas souhaité ça. Moi-même, je pense que je ne peux pas contester tout le bagage. Je suis bien content qu'un gouvernement qui résout le problème. Mais malheureusement, nous contestons tout le bagage. Pour un monde bon dans le pays, il faut mourir. Pour bon, faut pas président, faut pas ministre, faut pas premier ministre. Faut pauvre, faut enterrer. Faut nous suspendre. Faut nous apprendre à solidariser avec l'autre monde. Je dis à des gens qui sont sous pouvoir. Nous avons tout le monde, nous avons de facto. De facto, c'est pour un défaut. De facto, c'est une situation liée. Quel monde qui a répété de facto, comme si Mdadou, ça veut dire criminel. De facto, vous voulez dire, ou qu'on doit manquer de légitimité. Une situation qui fait ce ou là. Là, c'est pour faire le job. Faut justement nous travaillons pour nous retirer le pays dans l'ambiance d'ambiguïté politique, pour nous retirer dans la situation de gouvernement de facto. C'est ça que je souhaite. Et il faut nous gagner un minimum de tolérance pour nous solidariser avec l'autre. Ça qui fait blanc fourrer bouche dans la parole. Nous. Parce que nous ne pouvons pas entendre, nous avons détruit l'autre, nous avons tué l'autre. Il faut nous suspendre. Si nous ne pas suspendre, nous avons toujours tourné esclave en bas pied. Blanc. C'est ça que je vais souhaiter. Depuis qu'il y a une équipe qui a acheté le pouvoir, et il faudrait diriger, nous avons boumé à prendre de justice, à prendre de justice pour que ce soit au Caribe. Et je dis à la présidente Jovenel Moïse, il mourit, tout le monde voit une équipe qui se passe, il mourit. Et maintenant, il y a un gouvernement qui monte, tout le monde a pensé que c'est un gouvernement qui a gagné une union nationale, qui a gagné un large consensus. Mais ce n'est pas ça nous, en tant que citoyen, qui a observé. Pas qu'il y ait un consensus dans le pays, pas un citoyen qui prend conscience. Tout côté gain division, division dans le parti politique, division dans le gouvernement, division dans la société civile. Ça veut dire consensus. Tout le monde entend sur mon bagaille. C'est division qui a mené. Je dis à nous parler de PHTK qui a gagné 10 ans depuis la gérer pays. Peut-être, si on PHTK est vrai, le pays a marché bien. Nous en faisons un constat d'échec de génération en génération. Nous avons un effort pour nous faire. Pour nous suspendre tout et l'autre moralement. Pour nous suspendre tout et l'autre physiquement. Moi-même, c'est sens message. Parce que je dis, c'est M. Moïse qui a tout. Demain, c'est pas l'autre monde qui est la pays. Je dis, c'est le gouvernement qui est là, qui de facto. Demain matin, n'importe qui nous là, qui arrive sous pouvoir, soit il dit nous mal, lui, c'est une base de l'élection, soit nous disons, c'est de facto, c'est notre négociation. Il faut nous suspendre pour nous prendre destiné pays en main. C'est ça ce message moyen à tout citoyen haïtien
quelle que soit la position politique, que l'opposition, que le pouvoir, nous tous c'est Haïti, nous tous devons faire effort pour Haïti avancer, pour nous suspendre dans la vieille ambiance, de vieilles nouvelles, de crimes, de assassinats, jusqu'à ce que nous arrivions pour aller trouver un président en dans la Kaili. Ça, c'est une honte nationale. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'il est un peu difficile pour moi de dire quelques mots sur un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Voici, Jovenel Moïse. J'ai rencontré le président Jovenel Moïse à l'époque, étudiant à l'université Kiskeya, au département, à la faculté des sciences de l'éducation. À l'époque, j'enseignais le cours de sociologie. Il était un homme perspicace et déterminé. Il était déjà dans le monde de l'entreprise. Et à côté de l'entreprise, il a jugé important de poursuivre ses études universitaires. Et moi, je sentis un peu difficile parce que bien avant date ça arrivé là, 6-7 là, j'étais déjà assassiné caractère résident. Dans bon paquet de mensonges sur lui. J'ai connu un homme qui était en dialogue permanent avec l'histoire. J'ai vu, quand il a fait appel à moi au cours de l'année 2015 pour faire partie de son équipe de campagne, tel son conseiller stratégique, parce que c'était ça, mon rôle, j'ai vu un homme qui était déterminé. Le président a toujours dit, le pape t'a à cause peuple là. Parce que lui-même, il sortit, il a paysanné. Et là, son relation Chanel, il était bien avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, pas ouais pour monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population, nous le monde dehors, gros orteils, etc. Jovenel Moïse, c'était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice. Un idéal de progrès à la nation. Moi, je crois que après ça qui finit passé là, la nation tout entière et même les opposants plus farouches du président, yo condamné à cela. Nous dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, yo consterné. Donc Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier moyen, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans, 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans 5 mois pendant le président. Je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Donc, ça me fait là comment l'histoire juger. C'était toujours comme ça. Il se voyait comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays, surtout pour les masses rurales. Ouais, tout programme ni, c'est président souvent, lui toujours moi mon ambioli, l'après-lé, qui connaît de l'eau, est-ce que tel travail, lui, le tel ministre ou bien tel directeur général, j'ai jamais vu. Je travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit, côté en section communale, là, à qui niveau projet aille. C'est un homme d'action, un homme de réflexion, un homme qui a épousé la cause populaire. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là. Il était un homme simple, manger toujours président. D'ailleurs, nous presque manger même barrage parce que manger produit local. 2003, président allemand, j'ai dit, ambassadeur Mazil, fais de rentrer. Parce que je me connaissais pas, faut manger avec le président. Pour moi, c'était pas un conseiller, c'était un ami. On dialoguait autour de la table, on discutait. On discutait de la fête pays. J'ai jamais vu le président Jovenel Moïse, c'était qu'on rien pour personne. Mais son problème à lui, c'était les misères, la masse populaire. C'était ça que t'es massé, ça que t'es problème. Il pas de moi, dans les mounab, dit président Jovenel Moïse, son criminel, ce n'est pas connaître l'homme. Ce n'est pas connaître l'homme. Président Jovenel Moïse, il a gagné 100 moun sous lui. Son principal ennemi, c'était la misère du peuple haïtien. Plus de 80% de la population en misère. Alors que, si nous utilisions les moyens, comme il te dit, terre, sol, si nous mettons énergie nous ensemble, nous avons fait beaucoup de choses pour payer ça. Parce que, puisque 200 ans avant, nous avons gagné un pays qui était l'appel des Antilles. C'était cet homme-là qu'on a assassiné. On a assassiné les rêves. L'homme, il y a les deux corps du président. Le corps immortel, la nation dans son ensemble, déjà embrassé déjà. Projet ça n'a pas mouru. Mais il y a le corps, je dirais, naturel, qui est parti. On l'a sacrifié. Et du 6 ou 7. Ça, c'est la famille. Mais la nation dans son ensemble, reconnaît Jovenel Moïse après toutes ses ouvertures, après Dessalines. C'est un grand héros de notre pays. C'est un grand héros pour les gens qui luttent pour sortir d'un système d'exploitation,
pour sortir d'un système qui exterminait les plus faibles. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. Jovenel Moïse, le président de la République, c'était un homme de l'histoire, est un acteur de l'histoire. Tout ce qu'il faisait, il voit l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre meilleures les conditions de vie de la population? C'était ça son rêve. Il n'avait pas de haine pour personne. Jovenel Moïse, c'est un exemple de dignité face à l'humiliation. Jovenel Moïse, c'est un exemple de liberté, de lucidité face au désespoir. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. Aujourd'hui, toute la nation, moins ça a passé dans la diaspora haïtienne, dans les villes de province, dans la paysannerie, dans le Grand Nord, tout le monde mobilisé parce que c'était un paquet menti sous président. Il a fait plus de 4 ans, il n'a pas assassiné le caractère président. Ben, on parle de mensonge. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les menteurs, ils se sont fait plus mal à une société que les gens n'ont pas à penser. Donc, tuer le président par le mensonge, on bande mensonge. Vous entendez parler Petro-Caribé. Le président Jovenel Moïse a fait réaliser l'étude sur le Petro-Caribé. Il a l'enquête. Il a l'enquête. Je peux vous assurer, il a l'enquête. Il est un homme de courage, il est en contact permanent avec l'histoire, un dialogue constant avec l'histoire. Parce qu'il a toujours dit que ses origines, là côté de Sotia, il va gagner à trahir la population. Parce que déjà, il parle, ouais, d'ailleurs, président Jovenel Moïse, même avec conseiller, il va exemplaire. Moi-même, personnellement, je me rappelle de l'entreprise, le président dit, je vais faire fermer l'entreprise. Premier bail, fermer l'entreprise. Il dit, non, il va avoir un scandale autour de lui-même. C'était cet homme-là, un homme exemplaire. Un homme d'une vision remarquable, un visionnaire impénitent. C'est cet homme-là qu'on a assassiné. L'histoire de ce doit retenir qu'il y a quelqu'un qui a tenté de foncer la porte de l'histoire pour apporter le bonheur à la majorité souffrante. Et ça me dérange quoi, président Jovenel Moïse, c'est la souffrance de la population au quotidien. Il peut toujours vivre ça. Monsieur, ça pour me faire pour le peuple-là. Bonjour, président. Pardon, faut me dire ça pour l'histoire, parce que c'est l'histoire, il est déjà mort. Non, ma docteur, président pas le fond discours. Ticket, mon courri, je descends dans le palais. Si président, pour qu'ils ne soient pas faire discours ça, de conseiller de la catémaillé. Je dis, non, pour qu'ils ne soient pas venus parler. Je dis, président, bon, je souhaitais que n'a quitté le responsable pour me balancer l'autre. Je dis, non. Et je pense que c'est peut-être l'un des discours historiques que le président Jovenel Moïse a tenu contre la vie de ses conseillers. Mais l'histoire retiendra. Il a dit trois choses. Il y a un système, il y a un maître. Il y a les gardiens du système, il y a les victimes du système. Et ce discours-là, c'est un discours historique. Donc, il y a d'autres mondes, le rêve des jeunes. Il y a un jovenelisme qui est un terme courant politique, de pensée politique, qui a été édicté. Cet homme-là, l'histoire, avec grand H, retiendra que dans un combat illégal, il a eu le courage pour, pour affronter un système qui gagnait des gardiens, qui gagnait des maîtres. Mais les victimes sont nombreuses. Il y a plus de 80% de la population victime. Je ne sais pas quoi nous abriter sous le silence. La mort du Jovenel Moïse de porter noir réfléchir sur le destin national. Le destin de ce pays, c'est un destin cauchemardesque depuis quelques années. Il revient à nous de faire du part un bagage de bonheur pour tout le monde, sans exclusion, contre notre peuple. D'ailleurs, le président Jovenel Moïse a eu un discours transcendeur. Il a transcendé les difficultés de quotidien. Il n'avait pas de haine pour personne. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire de ce pays, avec Jovenel Moïse, qui sortit de la paysannerie, donc c'est une épopée nationale que nous construisons avec Jovenel Moïse. Il sortit comme sorti à l'Ligue élection. L'arrivé après 4 mois, n'est que tenté assassiner caractère jusqu'à ce qu'il ait sacrifié le corps là. Mais il y a les deux corps du président. Le corps éternel qui s'imprègne avec le corps national, l'âme nationale, l'identité nationale. Mais il y a le corps là que vendredi nous allons enterrer. Mais Jovenel Moïse restera pour longtemps dans la mémoire du peuple haïtien. Merci beaucoup.